Les fluxeuses, les fluxeurs, c'est Julius on the flux. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo, 8 mois plus tard. J'ai pas perdu une banane hier. Je les baise encore, c'est comme hier. On vient de loin, pas d'en bas. L'ascenseur est en panne. Comme mon cœur devant chacun qui s'emballe. Je me sens mieux sans toi. Je me sens mieux sans toi. J'en fais du sale, ça m'en fait si mal. J'en passe en blanc, si j'apprends, si hop, nouveau label. Je me débrouille seul, j'ai fait de l'argent, mais j'ai gardé tout seul. Chut. Bon, j'arrête parce que là je vais partir au showcase. Et après, le droit d'auteur et tout, je vais me faire censurer par YouTube. Bienvenue de renouveau sur ma nouvelle chaîne. J'ai décidé de faire une petite pause, enfin, petite, tout est relatif, grande pause plutôt, pour explorer de nouveaux horizons. Mais j'ai vite compris que ma place, elle était ici, dans le YouTube game. En plus, j'ai vu que Squeezie allait faire une petite pause, donc je pense qu'il est temps que je reprenne ma place sur le rinté de YouTube, pas Banks. Comment vous dire, j'ai traversé plus de fuseaux horaires que je n'ai perdu de chaussettes, et comment vous dire que trouver du Wi-Fi en pleine jungle est aussi difficile que trouver un chat noir dans le noir. Mais c'est bon d'être de retour, prêt à vous faire voyager depuis le confort de votre canapé. Maintenant, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, Julius, t'étais où? C'est vrai, c'est une bonne question ça, j'étais où pendant tout ce temps-là? Eh ben, j'étais en road trip en train d'explorer le pays entièrement, à faire des rencontres. Et en fait, vous allez voir tout ça dans la vidéo. C'est ma bande-annonce de 2024 et en fait, c'est toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo en quelque sorte. C'est pour monter la mayonnaise et après, et après que ça part. Quoi. Donc c'est pour ça que j'étais parti. En fait, ce qui est compliqué, c'est de voyager et de se poser en même temps et de faire du montage. Parce qu'en fait, j'aime pas faire plein de choses à la fois. Je préfère être focus sur un seul truc. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai mis autant de temps et que j'étais absent pendant 8 mois. 8 mois carrément. Je prends la leçon de belge. Dédicace à mes belges qui regardent les vidéos, on sait jamais. Mais bref, anyway. Mes excuses pour le retard et merci d'être resté fidèle pendant tout ce laps de temps. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour une aventure hors du commun que même Google Maps a du mal à me suivre. Et avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, tu connais, c'est la récompense. Et bombardez-moi les commentaires également pour savoir quel pays vous hype le plus. J'irai checker tous vos commentaires, comme ça on pourra interagir ensemble, vous voyez. Entre fluxeurs, on peut créer quelque chose de fort. Mais bref, trêve de balivernes, on arrête de blablater, je vous balance la vidéo. Bon visionnage. Pchou. Pour notre première destination, il faut revenir en juin 2023. C'est là que notre aventure a commencé. Je dis bien notre aventure, car je n'étais pas seul. J'étais accompagné de Jason et Seb. C'est grâce à eux que ce voyage fut réalisable. Alors, pour cette première destination, je n'ai pas de short ni de maillot de bain, mais plutôt j'ai ressorti le bonnet et la polaire, puisqu'on est passé de 35 degrés à 10 degrés. Comment vous dire que cela annonce directement la couleur? Et notre première destination, c'est... L'Islande est connue pour ses paysages magnifiques, ses cascades, ses aurores boréales, ses volcans en éruption, ses événements surnaturels et surtout, ses activités hors du commun. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Plutôt vous parler de ce que nous avons vécu durant notre voyage. Revenir sur un élément marquant qui nous a marqué tous les trois. C'était la météo en Islande. Regardez le ciel très nuageux, mon objectif avec les gouttes d'eau, le vent, j'ai ressorti mon petit kawaii. En vrai, je pense que j'ai même pas besoin de parler. Hein. Regardez juste la vidéo. La vidéo dit tout. Hein. Mais attendez de voir la suite. Parce que là, pour l'instant, c'est encore safe, on va dire. Tout d'abord, le panneau que vous voyez à l'écran, là, il n'annonce rien de bon. Encore plus quand la lumière clignote en orange. Cela signifie qu'il faut éviter de marcher sur les plages, de faire des randonnées, car les rafales de vent sont extrêmement fortes et voire très dangereuses. Comment c'était dur de marcher, on se faisait balayer à droite, à gauche. Enfin, vraiment, c'était horrible. Hein. Mais malgré la mauvaise météo, cela ne nous a pas empêché de faire les cons, que ce soit sur l'avion ou sur le chemin du retour. Et de profiter de l'instant présent. Mais ce qui était vraiment cool, c'est vraiment qu'on était ensemble dans cette galère. Et comme on dit chez moi, après les rafales de vent, place au beau temps. Sur la route, on a trouvé une petite pépite. Et du coup, on a décidé de s'arrêter tranquillement, histoire de kiffer. Mais vraiment, waouh, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, tu te balades comme ça sur les routes en Islande. T'es là, tranquille. Et là, d'un coup, que vois-je? Bang! Bref, passons maintenant à la nourriture. Et quoi de mieux que de manger la spécialité islandaise du requin du coup. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
le requin. En fait, le requin, il se trouve au milieu, c'est les petits carrés, vous voyez. On pourrait croire que c'est des apéricubes ou que c'est bon. Comment vous dire? J'ai même pas besoin de rajouter. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. C'était vraiment dégueulasse. Et finalement, entre vous et moi, manger des sandwichs à 10 euros, c'est pas si mal. Hein. Oui, 10 euros parce que bienvenue en Islande, c'est des tarots. En plus de ça, on a mangé dans des lieux vraiment remplis d'histoire. Et aussi, on a mangé devant un petit volcan. Voilà, en détente. En détente. Et pour clôturer cette aventure en Islande, rien de tel qu'une bonne bière pour repartir à zéro. Et après notre aventure mouvementée en Islande, l'heure fut venue pour moi de partir en solo, à l'autre bout du monde, avec ma caméra et mon petit sac à dos. C'est à ce moment précis que l'aventure pour moi commençait. En août 2023. Et on enchaîne avec cette deuxième destination. La Malaisie, en Asie du Sud-Est, a une diversité culturelle, des jungles, des plages, et Kuala Lumpur en est la capitale avec des gratte-ciels. La cuisine est délicieuse, et le pays a de superbes sites naturels, comme les îles Perhentian et la forêt de Bornéo. Et pour moi, la Malaisie, c'est un peu comme Las Vegas de l'Indonésie, tu vois, avec des grands buildings éclairés, des écrans géants un peu partout, et j'en passe. Mais également, il y a beaucoup de temples, dont j'ai eu la chance de pénétrer l'intérieur pour la première fois de ma vie. Il y a vraiment une atmosphère que je n'avais jamais ressentie nulle part ailleurs. Juste me poser, ne penser à rien, faire le vide en moi, me remettre en question, me reconcentrer sur mes objectifs, rester focus, enfin plein de choses en fait. Vraiment, c'était vraiment mon QG et c'était là où je pouvais me libérer de toutes mes pensées négatives. Et ce qui est fascinant de dingue aussi, c'est que tu peux passer d'une grosse ville comme Kuala Lumpur à directement en pleine jungle. C'est vraiment que tu te rends compte que vraiment, on est tout petit genre. Et cela en 4 heures de route seulement. C'est waouh, vraiment. Puis après tu te retrouves à te baigner dans un fleuve avec ton petit short de bain, en mode solo, sur ton petit tronc d'arbre, tu déranges personne. Vraiment, non, c'est incroyable. Mais t'imagines bien qu'être tout nu comme ça en pleine jungle, il y a des inconvénients. Et c'est des moustiques. Les enculés de moustiques, je peux te dire que là, j'étais un peu fait à volonté et qu'ils se sont bien régalés sur ma peau. Hein. Les petits gourmands. Bon. J'ai fait quoi d'autre sinon? Quelle question! Bien évidemment que j'ai mangé. J'ai beaucoup mangé en vrai, même si ce n'est un peu trop. En vrai, je pourrais faire un best of de toute la bouffe que j'ai bouffée. J'ai mangé des trucs chelous. Tiens d'ailleurs, j'ai mangé le fameux durian, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais mettre ça à l'écran. En gros, c'est un fruit. Et vraiment, ce fruit, il pue à la mort. C'est le fruit qui pue le plus au monde. Et en fait, c'était crémeux, un peu pâteux. Mais je sais pas comment vous décrire la sensation, mais je vous jure que c'est très très bizarre. C'est bien beau de manger comme un cochon, mais les kilos ils s'installent en attendant. Du coup, j'ai fait un peu de sport en salle. D'ailleurs, c'était la première fois et la dernière fois que j'ai fait du sport durant mon voyage. Et du coup, pour marquer le coup, j'ai pris les haltères de 60 kilos. Je voulais en découdre et bam, je suis allé quoi. Bam, bam, bam. Non, je rigole. C'est des haltères de 30 kilos. Il n'y avait que ça. Oh, c'est bon. 30 kilos, 60 kilos, c'est pareil, non? Et après une grosse séance, j'ai admiré la vue une dernière fois depuis mon rooftop. Il était l'heure pour moi de quitter la Malaisie et de partir dans un nouveau pays. Ce qui nous amène maintenant en Indonésie. Et plus précisément à Bali. Hop, je vous reprends. Parce que concernant Bali, en fait, le plan a carrément changé. Comment vous dire que... Vous savez de la vidéo, je vais la mettre là. Je vais mettre la vidéo là. Vous vous souvenez de cette vidéo là, la première vidéo où j'annonçais que je partais à Bali pour étudier, machin truc. Eh ben en fait, pas du tout. Mais pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où je devais partir à Bali, ma sœur me dépose
Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est le jour J. En fait, avant que je prenne le bus, le matin, je me réveille, je reçois un mail. Parce qu'en fait, ma classe, c'est pas full. Du coup, c'est pas rentable pour eux. Du coup, c'est annulé. Du coup, je me dis, bah, vas-y, fuck. Moi, j'ai déjà mon billet, faut que je parte. Donc, en fait, ça a tout changé mes plans. Et je suis quand même parti. Enfin, j'étais remboursé et tout ce qui s'ensuit. Mais ça m'a mis un peu un coup au moral. Et du coup, après, bah, je suis parti en roue libre. Je savais pas trop quoi faire. Je suis resté 2 mois à Bali pour trouver une solution. Je me suis dit, peut-être que je vais trouver un truc, un taf. Mais finalement, j'ai rien trouvé. Donc, après, je suis parti en road trip. J'ai fait toutes les destinations que vous allez voir dans la vidéo, quoi, et voilà. Je voulais un peu clarifier ça. Allez, reprenons. Tout le monde connaît Bali pour la destination de rêve. Lune de miel pour les amoureux, des plages paradisiaques, du surf, du snorkeling, de la plongée, des sunsets magnifiques, des temples, des rizières et des singes super mignons. Mignon, c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, mais plutôt très à l'aise. Et voire même très agressif. Mais attention, attention. It was at this moment that he knew he fucked up. Attention, ma casquette. Wesh, il est sorti d'où, je l'ai pas vu. C'est dans la boîte. Et toi, t'es un malade. Si je t'attrape. Et pour l'anecdote, j'ai vu une femme se faire croquer le bras par un singe comme si c'était un tacos 3 viandes. Donc, bon, comment vous dire que les singes à Bali rigolent pas du tout, hein. Ils vont pas hésiter à sortir des crocs, justement. Enfin bref, les activités touristiques à Bali, c'est cool, mais là n'est pas le sujet. Savez-vous qu'il existe également des treks sur des volcans? Et j'ai eu la chance d'en gravir 3 durant mon périple à Bali. Le premier, le Mont Batur, le plus connu, est un volcan actif à Bali, en Indonésie, offrant une randonnée matinale pour voir le lever du soleil depuis son sommet. Le second, le Mont Ijen, est un volcan situé à Java, connu pour son lac acide turquoise et ses flammes bleues dues aux émanations de soufre qui s'enflamment au contact de l'air. Et le dernier, le mont Rinjani, est un volcan actif en Indonésie, situé sur l'île de Lombok. Et c'est le 2e plus haut volcan du pays, avec une hauteur de 3726 mètres d'altitude. Non, je vous jure, c'est une expérience de dingue. T'es là, tu dors en toile de tente. À 4h, voire 2h du mat, tu te réveilles avec les yeux collés, prends ton petit café, hop, t'enfiles tes chaussures, tu pars en pleine nuit avec ta petite lampe frontale, tu marches, tu grimpes, bam, bam, droite, gauche, ok, t'y vas. Easy peasy, lemon squeezy. Never try, never know. No pain, no gain. Et nous go, on y va. Tu montes, toujours tu grimpes. Tu te remets en question, tu dis putain, mais qu'est-ce que je fous là, c'est dur. Tu commences à dire ouais, je suis au bout de ma vie. En fait, c'est toi et ton mental, il n'y a que ça. C'est soit tu le fais et t'es un warrior, soit tu le fais pas et t'es une grosse merguez. Donc en fait, tu te sors les doigts, t'y vas, bam. Mais après, la meilleure des récompenses vraiment, c'est quand t'arrives au sommet et que tu vois ça vraiment. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas tout seul. Il y aura toujours des gens pour vous motiver, toujours des gens pour vous encourager, toujours des gens pour vous féliciter, toujours des gens pour vous aider à monter au top. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais bon, en vrai, tout ça, c'est cool. Tu vois des vues magnifiques, tu te surpasses toi-même, tu vas chercher du mental, tu sors de ta zone de confort. Est-ce que vous avez déjà mangé un burger à 3000 mètres d'altitude? Je vous présente le Burger Summit. Ah,
Burger Summit, où chaque bouchée est un sommet de saveur. Et c'est ainsi que se termine ce périple à Bali, toujours en sirotant mon petit jus. Le jus de nectar. Bref, reprenons la route, car il nous reste une dernière destination à vous faire découvrir, et pour moi c'est vraiment mon coup de cœur. Et on finit cette série par... le Vietnam. Comment ne pas parler du Vietnam sans parler de Ha Giang Loop? C'est un peu comme parler du rap français sans PNL, ou de Tom Brady en football américain, ou alors de Mia Khalifa dans les films pour adultes. Ce sont des classiques indétrônables. Merci Roger pour ces comparaisons explicites, j'aurais pas dit mieux. D'ailleurs, je vous présente Roger, mon nouvel assistant. Hi. Je l'aime trop, il est trop fort. Plus sérieusement, Ha Giang Loop c'est quoi? Alors, Ha Giang Loop, c'est un road trip de 4 jours en moto dans le nord du Vietnam, proche de la frontière chinoise. Au programme... Let's go, baby! Mais avant tout, c'est une grande famille aussi. Et merci à toutes les personnes que j'ai croisées à la Jane Loop. I'm on the film. Oh, yeah. Yeah, nice. Oh yeah. Are you vlogging as well? Yeah, vlogging, yeah. Ciao, ciao. I'll see you on YouTube. Mais pas seulement. À toutes les personnes que j'ai croisées en général qui ont croisé ma route durant ces 6 mois de voyage. Mais le Vietnam, ce n'est pas que ça. C'est également ça.
alors le Vietnam de jour, c'est très joli, hein. Mais de nuit, c'est encore plus joli, regardez. Je vous laisse regarder ça. Dis, Roger, est-ce que tu pourras activer le mode nuit, s'il te plaît? Trailer de 2024 s'achève ici. C'était Julius on the Flux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. On se revoit très vite. Peace!